step back, let a pro through. I'ma go through every rapper if I have to make it in this bitch. I'm taking every risk, every chance to succeed. I'm trying to be a star, no asterisk. Headphones on, so I'm zoned and gone. Another world's what I'm on. What's a pawn to a king? A rookie to a pro, never stalling, always grinding. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un peu de gym et en même temps je vais vous expliquer comment y arriver à faire ça, mais c'est pas très facile. Moi j'ai fait 3 années de gym, donc je suis habituée maintenant à faire ces exercices. Donc je vais vous montrer ce que je sais faire. Peut-être que je vais en oublier quelques-uns, mais je vais vous faire la plupart. Parce que moi en fait je suis très fragile des poignets et des pieds. Donc je vais pas faire souplesse arrière et tout. Je vais peut-être faire le pont, mais pas tout. Parce que je suis très fragile, comme je vous le dis. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer par le pont. Donc pour faire le pont, rien de plus simple, vous allez vous mettre comme ceci. Déjà, désolé, il y a plein de feuilles dans mon trampoline, ça va pas être pratique, mais c'est pas grave. Donc vous allez déjà vous mettre en position plage, vous voyez, comme ça. Et donc vous allez mettre une main derrière comme ceci et l'autre aussi. Et voilà, comme ça. Il faut que vos mains soient comme ça, quoi. Voilà. Après, vous allez faire un gros truc comme ça, un truc dans le genre. Et vous allez pousser toute votre force pour monter. Bien sûr, avant de commencer, faites-vous une queue de cheval, c'est beaucoup plus pratique pour ne pas que vos cheveux aillent dans la tête. Mais faites-vous un chignon si vos cheveux sont très longs. Moi, j'ai eu la flemme, donc j'ai fait juste une queue de cheval. Bon, et puis c'est plus pratique aussi que vous n'avez pas tout avec vous. Voilà, bref, donc voilà, c'est parti. Tendez le plus possible vos jambes et vos bras aussi. Maintenant, nous allons passer à ce que j'appelle l'arc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc par contre, il faut être très souple de la colonne vertébrale. Moi, j'ai direct réussi, mais c'est pas très simple. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble l'arc. Donc c'est parti. Et devoir vous mettre en arc, comme j'appelle ça. Donc on va se mettre de ce côté parce que vous ferez mieux. Vous allez déjà vous mettre comme ça. Après, vous allez tendre vos deux mains. Oui, je sais, j'ai changé de tenue, mais vraiment, il faisait trop chaud, j'en pouvais plus. Donc voilà, c'est parti. Tendez vos deux bras, vous vous mettez comme ceci, ou moins, mais moi je vous montre juste un exemple comme ça. Et donc vos deux pieds, vous allez les mettre sur votre tête. Et moi et nous on appelait ça à la gym l'arc pour s'en rappeler du nom. Voilà, donc c'est ça l'arc. Bien sûr, échauffez-vous le dos avant. Moi je n'en ai plus besoin maintenant. Mais il est conseillé de s'échauffer avant pour ne pas se faire mal. Maintenant, on va passer à la chandelle. Donc, il faut. Celui-là, je pense que c'est un des plus faciles que tout le monde peut réussir certainement en pas très longtemps. Donc vous allez vous mettre encore dans cette position, position plage. Et c'est comme à peu près le pont. Sauf que vous allez pas faire pareil. Voilà. Donc, vous mettez la même position qu'au début pour le pont. Vous allez poser votre tête. Commencez à lever vos jambes et poussez avec vos mains en haut du... ici, où je mets, en dessous des fesses, pour pousser tout le reste. Et il faut que tout soit droit. Donc voilà. Après, vous pouvez faire des petits écarts, comme ça, pour vous échauffer les jambes, pour faire le grand écart. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le grand écart. Donc, c'est... très compliqué pour ceux qui ne sont pas souples des jambes. Moi, j'étais souple des jambes avant, mais genre j'avais 7-8 ans. Et du coup, j'arrivais à faire le grand écart. Là, j'y arrive presque. Mais en fait, comme j'avais pas fait de gym pendant longtemps parce que j'ai eu des problèmes et tout, et ben, du coup, je ne suis plus très souple des jambes. Mais en fait, comme j'ai refait de la gym cette année, maintenant je suis un peu ressouple. Mais voilà, du coup, je sais plus le faire. À fond le grand écart, donc ne dites pas en commentaire ouais tu sais pas faire le grand écart, je le sais. Voilà, donc c'est parti pour le grand écart. Je vais peut-être vous donner quelques conseils pour vous entraîner à faire le grand écart. Donc commencez par vous et vous allez écarter petit à petit vos jambes. Je sais même pas si mes jambes sont assez grandes pour passer le trampoline, mais c'est pas grave.
Donc après, vous allez commencer à poser vos mains juste ici et à descendre petit à petit jusqu'à arriver le plus que vous pouvez en descendant. Sauf que là, je suis pas échauffée, donc ça ressemble à rien du tout. Bref, je vais m'échauffer un peu alors qu'on se rejoint. Et je vais vous montrer en même temps les échauffements que je fais pour les jambes, que je faisais à la gym. Donc tout d'abord, vous allez vous mettre comme ceci. Désolée, j'ai plein de feuilles sur moi, mais le trampoline, il est tout crade en fait. Bref, donc vous mettez comme ça, en papillon, on appelait ça. Et vous allez pas faire juste les trucs, vous savez, papillon comme ça. Vous allez mettre vos deux pieds comme ceci et les rapprocher le plus possible de vers votre ventre, donc le plus possible d'ici. Donc moi, j'arrive à... Je vais vous mettre sur le côté, mais... J'arrive à... à fond en fait. Et donc une fois que vous êtes comme ça, vous allez pas juste, vous pouvez faire comme ça si vous voulez, mais enfin moi je trouve pas trop d'utilité si vous êtes déjà souple comme ça et que vous n'avez pas besoin de faire ça, ça vous sert complètement à rien. Donc vous allez vous mettre en avant et le plus votre tête, il faut qu'elle touche là, et donc ça va vous étendre les jambes. Il faut que vos fesses touchent le sol, il faut bien que ça étire. Hein. Et comptez au moins à 20. Entier en magasin. Là c'est marqué entier en magasin. Deuxième échauffement, vous allez mettre vos jambes comme ceci, le plus étendu que vous pouvez. Donc je vais mettre deux sens pour vous dire. Le plus possible comme ça. Et vous allez pas prendre vos jambes comme ça, ça sert à rien. Mais vous penchez en avant pour s'entraîner à faire le grand écart, c'est pratique. Le plus que vous pouvez. Hein. Essayez de laisser tourner vos jambes. Vous pouvez rester 10 secondes et voilà. Troisième échauffement, si je me rappelle bien. Donc déjà, et vous avez un échauffement. Vous devez vous mettre debout et donc vous allez, désolé si je fais ça là encore, mais voilà. Et donc vous allez vous mettre comme ceci et faire comme ceci, vous baissez comme ça vos mains et vous reculez petit à petit. Et ensuite vous échauffez le bassin comme ceci. Après vous recommencez plusieurs fois, on va dire 10 fois, jusqu'à être bien échauffé. Voilà. Je ne suis pas une pro, donc mettez pas en commentaire « Oh, t'es nulle, nanana ». Je sais, mais je suis pas une pro. Bref, vous faites ça 10 fois. Et une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous êtes déjà réussi. Si vous voulez, il y a un autre échauffement qui est assez simple. Donc, c'est un peu comme celui que je viens de faire juste avant. Sauf que vous allez toucher vos pieds debout. Donc, comme ça. Vous mettez debout et vous allez toucher vos pieds. Ça marche pas. Et vous attendez. Et dernier échauffement que moi je fais. Enfin, vous pouvez faire d'autres échauffements, mais je pense que voilà, ça va être assez ça. Donc vous allez tendre vos pieds comme ceci et prendre vos pieds et baisser votre tête et après vous comptez genre 20 secondes, ce serait vraiment super. Et normalement, ça va être super. Vous allez réussir à bien. Enfin, si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, vous allez réussir à faire le grand écart. Donc, moi, je ne le fais pas tous les jours parce que j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas que ça à faire. Mais si vraiment vous voulez réussir votre grand écart, il faut faire ça tous les jours. Plein d'étirements avec les jambes. Vous pouvez en trouver. Je vais faire peut-être d'autres vidéos pour vous montrer de nouveaux étirements. Mais ça, il faudrait que vous me mettiez en commentaire si vous voudrez. D'autres étirements pour réussir son grand écart, donc mettez-moi tout en commentaire. Donc là je vais essayer la souplesse arrière, donc j'arrive, mais en fait sur les trampolines comme ça un peu mou, vous savez, j'ai toujours peur de me faire mal au poignet parce qu'en fait un jour je me suis tordu le poignet sur mon trampoline en faisant justement ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite. Vous mettez debout, vous
placer comme pour le pont, mais debout, comme ça. Comme ça. Et vous allez vous pencher petit à petit. Là aussi, il faut être sous la colonne vertébrale. Donc vous allez vous pencher comme ça et tout petit à petit. Et posez vos mains, placez comme ça. Et bref, je vais vous montrer. Voilà, une fois que vous avez réussi ça, si vous avez un plus grand trampoline, vous pouvez réussir à faire d'autres choses après la souplesse arrière. Mais je vous montrerai peut-être dans une vidéo, si, parce que là, j'ai pas vraiment la place dans mon trampoline, il est assez petit. Du coup, j'ai pas trop la place. Donc, une fois que vous avez fait comme je viens de faire, vous pouvez après, quand vous êtes comme ça, vous pouvez lever la jambe. Enfin, en fait, vous levez la jambe. Et après, vous pouvez la passer au-dessus et refaire un autre... Enfin, je sais pas si vous voyez. Mais bref, je vous mettrai peut-être des photos en fin de vidéo. Maintenant, on va passer à la roue. Donc, je pense que ça va être la dernière figure. Donc, voilà, la roue. C'est parti. Donc, pour la roue, vous allez vous mettre comme ça. Levez vos bras. Voilà. Donc, ensuite, vous allez... je sais pas comment expliquer, un pied devant, un pied derrière, et vous allez faire main, main, et après pied, pied, mais là-bas. Donc voilà, je vous montre. T'as pas la vieille, moi, tu l'avais commencé. Et au final, vous devez retourner droit, voilà. Je sais pas si vous avez bien vu, si vous voulez, je vous en refais une mieux, parce que là, en fait, comme je vous ai dit, je suis très très fragile des poignets et du pied. Du coup, je n'ose pas vraiment m'appuyer dessus, du coup, je sais pas vraiment. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc c'était ma première vidéo gym, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en désirez autre, des autres. Donc aimez la vidéo, abonnez-vous et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux écrits en barre d'infos. Voilà, bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.